Merci de votre présence, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Encore que j'ai appris récemment qu'on ne dit plus mademoiselle. Il paraît que c'est vieux jeu. Mais je suis vieux jeu. En vérité, je n'ai pas été très honnête en donnant ce titre à ce livre, parce que on ne sait pas où l'on va. En revanche, j'ai essayé d'expliquer comment on y va. Ça oui. Autrement dit, quel est le processus de l'évolution sociale, de l'évolution des sociétés. Et il est difficile de dire où l'on va, d'abord pour la raison qu'un homme de bon sens avait très bien résumé, c'est que le plus difficile à prévoir, c'est l'avenir. Encore qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont du mal à deviner même le passé. Mais pourquoi c'est difficile de dire où l'on va? Eh bien, pour une raison tout simple, c'est que ça dépend de nous. En partie de nous. Même si on peut analyser une réalité objective et dire, eh bien voilà, compte tenu des événements, il est prévisible que cela ou cela puisse se passer. Même dans ce cas-là, il est bien évident qu'il y a des initiatives individuelles, des volontés individuelles, des hasards, des enchaînements de hasards. Même si le hasard est un déterminisme qu'on ignore, qui font qu'il est impossible, et heureusement d'ailleurs, car il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait que l'application de règles scientifiques, fait qu'on ne peut jamais complètement deviner l'avenir. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple qui me passe par la tête. Je vous dirai tout à l'heure que ce qui se passe, on aurait dû le prévoir. Que c'était évident que ça se passerait, mais on ne savait pas quand ça se passerait et comment ça se passerait. Aujourd'hui, on peut craindre que, après la crise que nous traversons, il y ait un vrai risque qui est la deuxième bulle, qui est la bulle des bons du Trésor. Aujourd'hui et demain, pour venir à bout de cette crise, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça ne sera pas tout à fait comme 1929, car c'est étrange d'ailleurs, la crise que nous connaissons a commencé exactement selon le processus 1929, ce qui d'ailleurs déjà nous indique un élément. C'est qu'à la fois, on ne peut pas dire qu'on peut prévoir une réalité, ce n'est pas mécanique, et à la fois, il y a des lois, et qu'il est quand même important aussi de connaître les lois. À savoir que malgré tout, un certain type de causes ont un certain type d'effets. Est-ce que, peut-être certains le savent, parce que je suis ici dans un temple de la réflexion financière et économique, et je m'en réjouis, mais en 1929, quelle est la cause de la crise de 1929? Il y en a deux importantes. L'une, c'est une boule immobilière, une bulle immobilière, qui s'était en particulier, qui avait pris une forme particulièrement exacerbée, à travers une spéculation sur les terrains en Floride. C'était le début où la Floride attirait les premiers touristes, etc. Mais l'autre, c'était le fait qu'il y avait déjà un boom boursier, il y avait une forte croissance et un boom boursier, comme toujours d'ailleurs. C'est juste avant la crise que la bourse a atteint son maximum, c'est ce qui s'est passé en 29, c'est ce qui s'est passé cette fois. Or, on avait mis en place un système qui permettait d'acheter des actions en payant 10% de la somme, mais en empruntant 90%. Ça ne vous rappelle rien? C'est-à-dire ce système-là, qui avait gonflé la bourse, et qui donc avait exaspéré une bulle purement financière, déconnectée de l'économie réelle, par endettement, puisqu'on empruntait 90% de la somme, mais c'est exactement le mécanisme qui a provoqué la crise que nous traversons. Et d'ailleurs, le premier choc boursier, qui est le fameux mardi et vendredi noir de la bourse, eh bien, ont provoqué
un décrochage de la bourse qui n'est pas sans rappeler le décrochage que l'on a connu il y a de cela, en septembre, il y a 2 mois. C'est à peu près du même ordre. Simplement, première remarque, on ne peut pas en déduire que puisque le processus de déclenchement est le même et que ça a commencé pareil, les conséquences seront les mêmes. Pourquoi? Mais pour une raison, et là je reviens à l'idée, ça dépend de nous, pour une raison évidente, c'est que, entre-temps, à cause de la crise de 29, on a pris un certain nombre de mesures et que le feedback de ces mesures font que ça ne peut pas tout à fait se passer comme ça s'est passé en 29. D'abord, premièrement, une grande différence, c'est que en 1929, Roosevelt a été élu 3 ans après. Autrement dit, le type de politique laxiste qu'avait provoqué un gouvernement, disons, ultralibéral, c'était le cas aux États-Unis avec Hoover, n'a pu être remis en cause et corrigé que 3 ans après, grâce à l'élection de Roosevelt. Et là, vous voyez, ça illustre bien que ça dépend de nous, parce que imaginez que les Américains, au lieu d'élire Roosevelt, aient réélu Hoover, ou réélu un candidat de la même orientation. Ça aurait changé, évidemment, le cours de l'histoire. Alors que là, et c'est, on le doit également au peuple américain, aux électeurs américains, l'homme qui peut faire un New Deal n'arrive pas 3 ans après, il arrive 2 mois après. Le fait que si New Deal il y a, c'est 2 mois après, peut naturellement changer les choses et faire en sorte que ça ne prenne pas l'ampleur de 1929, ou du moins que ça ne prenne pas la même forme. La deuxième différence, c'est que, je vous l'ai dit, l'effet de feedback des mesures qui ont été prises après la crise de 29. En 1929, il ne faut quand même pas l'oublier, quand on vous dit qu'il y a eu 18 à 20 millions de chômeurs aux États-Unis, il faut bien voir que ces chômeurs-là, et d'ailleurs, même chose en France ou en Allemagne, n'avaient pas d'indemnité chômage. Il n'y avait pas de minima sociaux ou de RMI. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Or, qu'est-ce qui soutient en temps de crise la consommation? Qu'est-ce qui mécaniquement insuffle des liquidités dans la machine? C'est justement ce type de protection sociale dont on voit tous les inconvénients en période de croissance et que l'on montre du doigt comme étant des sources de déficit étatique et de gonflement de la dette, mais qui, en période de crise, deviennent un édredon absolument considérable, parce que, du même coup, même les chômeurs peuvent consommer. Ceux qui reçoivent des minima sociaux peuvent consommer. Le système de santé, les laboratoires, etc., peuvent tourner grâce à la sécurité sociale, etc. Mais imaginez qu'en 29, il n'y avait pas ça. Autrement dit, lorsqu'il y a eu 15 millions de chômeurs, c'est-à-dire c'est des gens qui ne pouvaient plus consommer. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la vérité, c'est que comme c'était impossible, comme si tout à coup on avait 20 millions de personnes, 25 millions de personnes qui ne peuvent plus du tout consommer, d'abord c'est impossible socialement, parce que il y a un moment où la révolte ne devient la révolte même la plus sauvage, même la devient la seule issue, si c'est ça ou la fin ou la mort de faim. Donc on ne peut pas l'accepter. Et que de toute façon, ce n'était pas possible d'accepter une telle effondrement de la consommation. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on croit, avant l'arrivée de Roosevelt et le lancement du New Deal, il y a déjà eu, comme aujourd'hui, exactement la même chose qu'aujourd'hui, il y a déjà eu de la part de gouvernements néolibéraux, on pouvait dire ultralibéraux pour l'époque, il y avait déjà eu en catastrophe un appel à l'État, en catastrophe des investissements publics et surtout en catastrophe des aides aux chômeurs et des aides à ceux qui, sans cela, seraient morts de faim. Et donc, l'effet de feedback, encore une fois, de toutes les mesures qui ont été prises en frais 29, c'est le grand paradoxe, et qui, encore une fois, a été montré du doigt par les libéraux les plus dogmatiques, sont sans doute les mesures grâce auxquelles le capitalisme aujourd'hui est moins menacé qu'il l'était en 1929. Ça, c'est le grand paradoxe. Or, ce que je voulais vous indiquer comme possibilité de prévision, c'est que, comme également au moment de la crise de 29,